7 milliards de dollars, c'est le budget de l'État exercice 2020, soit 11 853 millions de francs congolais en dépenses comme en recettes, soit un accroissement de 14,5% comparé au budget 2019. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé à la 74e Assemblée générale des Nations unies, un discours très applaudi par le Congolais. Parmi les points importants, il a évoqué la réforme du Conseil de sécurité, la création d'une coalition générale contre le terrorisme, le projet de la zone de libre-échange, la parité, etc. Toutes ces questions seront débattues dans Acte U, Actualité Univers. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième numéro de Acte U qui reçoit pour vous l'honorable Franck Diongo. Franck Diongo est président du MLP. Bienvenue à vous, honorable Franck Diongo. Merci beaucoup, Laurette Mandala. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau. À ma droite, Sergine Réema de Top Congo. Bienvenue à toi, Sergine. Bienvenue et merci beaucoup à Laurette Mandala. Merci. Et il y a également Puce Romain Roland, la base de Patriotes. Bienvenue à toi aussi, Puce. Merci, Madame Laurette. Je suis heureux d'être en face de l'honorable Franck Diongo. Voilà, et à ma gauche, nous avons Élisée Odiaha de Congo Web. Bienvenue à toi, Élisée. Merci à vous, Madame Laurette. Et au fond, il y a Pichu Mulumba du journal Le Potentiel. Bienvenue à toi, Pichu. Merci beaucoup, Laurette. Et nous allons commencer par la première question. Honorable Franck Diongo, vous avez suivi le compte-rendu de la troisième réunion du Conseil des ministres. Le vice-premier ministre en charge du budget a révélé le chiffre du budget 2020, 7 milliards de dollars. Franck Diongo, ma question est de savoir s'il y a un rapport entre les prévisions du Conseil des ministres, 7 milliards, et la promesse de la campagne du chef de l'État, 86 milliards au moins sur 10 ans. Laurette Mandala, permettez-moi de saluer votre équipe et de vous remercier pour l'opportunité que vous nous accordez pour donner notre petite contribution dans les questions relatives à notre pays, surtout dans les dossiers nationaux. La question de budget, n'oublie pas que c'est depuis 2003 que je suis parlementaire, je suis chercheur sur la question congolaise, j'ai mené beaucoup de recherches pour la question du pays. D'abord, avant de répondre à la préoccupation de Laurette Mandala, permettez-moi de vous dire qu'il faut que l'opinion comprenne c'est quoi un budget. D'abord, pour qu'on se mette d'accord sur les termes du débat. Le budget, en fait, c'est la traduction chiffrée du programme de l'action gouvernementale. Donc, c'est un programme du gouvernement en chiffres, donc. Une autre définition beaucoup plus simple, c'est le moyen financier qu'on met à la disposition du pouvoir public pour appliquer sa politique. En d'autres termes, en fait, c'est l'autorisation que le gouvernement sollicite auprès du Parlement pour percevoir leurs recettes et de les dépenser. C'est à ce moment-là que vous trouverez qu'il y a des rubriques essentielles, rubriques de recettes, c'est-à-dire l'encaissement, rubriques de dépenses, c'est-à-dire le décaissement. Voilà un peu à cela. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le budget? Dans le budget, on trouve l'ensemble de recettes de l'État, l'ensemble des dépenses de l'État, et où est-ce qu'on doit affecter cet argent, c'est-à-dire les priorités du gouvernement. C'est à travers le budget qu'on comprend que ce gouvernement va combattre la pauvreté, va mettre l'eau, va mettre l'électricité, va combattre la vie chère, va appliquer la gratuité de l'éducation à l'école primaire, par exemple. C'est cela, le budget. Donc, les dépenses de l'État ne sont focalisées que dans le budget. Et le regroupement, Laurette Mandala,
de ce dépense et de ce recette sont votés, ces documents-là qui rassemblent, qui regroupent cela, c'est voté au Parlement, c'est ce qu'on appelle la loi des finances. Et cet argent-là est géré au trésor public ou par le trésor public, parce que le trésor public est l'agent comptable de l'État. Vu dans cet angle-là, si nous mettons d'accord dans ces contours, nous revenons maintenant sur le 7 milliards. Quand tu analyses le Congo, Laurette Mandala, nous avons toutes les recherches de cette année 2019 ont démontré que la République démocratique du Congo a 95 millions d'habitants. Premier élément à noter. Peut-on avoir un budget de 7 milliards pour résoudre le problème auquel le pays est confronté, les problèmes d'électricité, d'eau, de la gratuité de l'éducation, de la construction des infrastructures, de l'électrification, avec 7 milliards de l'insécurité. De sécurité par les pays en guerre et nourrir, bien entendu, 95 millions d'âmes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous sommes dans quelle nature de régime? Ce n'est pas un régime de la continuité, c'est un autre régime, un autre président. Et quelles sont les promesses au niveau des élections? Vous avez relevé, Son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa campagne électorale, a promis aux Congolais une promesse électorale. Si je suis élu président, je vais mettre à la disposition de l'opinion congolaise 86 milliards de dollars en 10 ans. En moyenne annuelle, Élisée Odia, c'est 8,6 milliards par an. Donc les 7 milliards insultent le président qui l'a menti. Parce que les 7 milliards est en dessous moins que la promesse électorale du président de la République. Donc les 7 milliards, c'est contre la promesse électorale de la République. Même en termes de rêve, qui a empêché au gouvernement d'avoir de l'ambition? C'est un projet sans ambition, qui ne répond pas aux attentes du Congolais. Donc par rapport à la promesse électorale, déjà le gouvernement dit, Congolais, le président a donné une fausse promesse, promesse non tenue, avant qu'elle commence. C'est en 86 milliards sur 10 ans, c'est là pour aller en augmentation. On peut quitter de 86 milliards cette année. Nous sommes à la deuxième année. Attention, 2020, c'est la deuxième année. Laurette Mandala, faites attention. La première année, on est en train d'exécuter. Tshibala, c'est 6 milliards. Deuxième année, le projet, c'est 2020. C'est-à-dire, sur les 86 milliards, si je dois te suivre, nous prenons les 6 milliards plus 7 milliards. Nous enlevons des 86 milliards, 13 milliards. Donc le président, dans les 3 ans qui restent, doit prendre le reste des 86 milliards, mais 13 milliards. S'il faut faire à 5 ans, il doit avoir 26 milliards. Mais les députés pourraient ramener ces budgets de 7 milliards jusqu'à 10 milliards. Laisse-moi terminer, Laurette Mandala. C'est une question technique. Tu vas poser des questions. Je suis disponible à répondre à toutes les questions. Donc, première lacune, ça démontre le gouvernement est contre la promesse du président de la République. On ne peut pas avoir un gouvernement qui rédige un premier budget d'un président en fonction contre sa promesse électorale. Donc, la promesse du président deviendra un espoir déçu, une promesse non tenue. Nous sommes ici en matière de rêve. Ce n'est même pas en matière de réalisation, en matière de prévision sur le rêve. Deuxième élément, c'est un budget qui est contre la gratuité de l'éducation. Parce qu'en fait, quand vous prenez 7 milliards de dollars, 7 milliards de dollars, les réunions du ministère de l'Éducation, vous savez que c'est 3 milliards, soit 2,9 milliards, pour exécuter la gratuité de l'éducation. Or, le président de la République aux Nations Unies a expliqué que le budget de l'État pour la gratuité de l'éducation, nous prendrons 20% du budget. Le 20% du budget de 7 milliards, c'est 1,4 milliard. Donc, lorsque vous enlevez
des 7 milliards, 1 million, 400 millions, vous voyez ce qui va rester. En réalité, ils sont contre même qu'on applique même 20% sur les 100% qui a été demandé pour la gratuité. Ça entravera la gratuité de l'éducation. Non, c'est un budget qui sabote la gratuité de l'éducation, en fait. Autre chose, Laurette Mandala, si nous raisonnons même pas l'absurde, qu'il faut tenir compte, parce que les principes économiques, il y en a qui conseillent à ce qu'on tienne compte des 3 derniers exercices pour concevoir un budget de l'année et prochaine. Mais ce principe ne tiendra pas ici, parce qu'en fait, Matata est arrivé jusqu'à 8 milliards. Comment un président de la République, son premier budget, il a combattu un régime et il est en descente de tout ce qu'il a combattu? C'est une absurdité. On ne peut pas, Laurette Mandala, Pichu Mulumba, déposer au Parlement un budget de 7 milliards, c'est un budget de la honte. On ne peut pas. Le premier ministre avec son gouvernement a l'obligation d'introduire le facteur correctif pour qu'il y ait un budget, un minimum de 10 milliards, le budget doit être un budget dans la fourchette de 10 à 20 milliards. Prenons les cas de référence, en fait. Quand vous prenez le PIB, produit intérieur brut du Congo, de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire ce que le Congo produit en termes d'argent. En dollars, c'est 57 milliards. Et la pression fiscale, Élisée Odia, est de 18%. C'est-à-dire, l'État doit défalquer dans les 57 milliards, 18%. Les 18% feront 10 milliards. Donc, ça, c'est les données qui existent. Donc, le Congo, il doit commencer avec un budget de 10 milliards si on ne fait aucun effort. Nous sommes en face, donc, de la sous-estimation, sous-évaluation de recettes. C'est comme ça que vous trouverez que l'actuel ministre des Finances, M. Sele, avec qui j'ai beaucoup de respect, quand il a été désigné de directeur général de la DGI, en 6 mois, il a réalisé plus de 100% de l'assignation d'une année en 6 mois. L'actuel ministre des Finances. C'est pour soutenir la sous-évaluation, la sous-estimation. Mais tout le monde sait que lorsqu'il y a les bâtiments, les gens construisent des nouveaux immeubles, c'est le signal que l'économie marche. Mais l'État n'a rien, mais on va des immeubles poussés. C'est-à-dire, les 10 milliards qui devaient être le minimum d'un budget de l'État, Laurette Mandala, vous trouverez que dans la mobilisation des recettes, ils vont vous donner que l'État n'a mobilisé que 3 milliards. Les 7 milliards, c'est ce qui va dans les poches des individus. Alors que nous avons un nouveau président, une nouvelle politique, une nouvelle vision, de nouveaux animateurs. La référence est faire un saut budgétaire. C'est-à-dire, il ne faudra pas se référer au budget des 3 années écoulées, mais réaliser un budget à la hauteur des ambitions du nouveau président. Réaliser un budget qui va répondre aux attentes du Congolais. Les budgets tels que présentés par les premiers ministres dans les chiffres de 7 milliards ne répondent ni au programme du chef de l'État. Non, non, au programme d'abord du premier ministre lui-même. Oui. Son propre programme ne cadre pas avec les 7 milliards par rapport aux 15 axes. Non. Ça ne correspond même pas aux promesses du président ni aux promesses électorales que le président a données. Donc vous avez l'impression que le gouvernement n'accompagne pas le président de la République. Pas seulement que ça n'accompagne pas, c'est contre le pays, c'est contre le peuple congolais. Le peuple congolais n'acceptera jamais un gouvernement de coalition. Non, non, nous sommes pas, on n'est même pas dans la politique, on est dans la technique vraiment budgétaire. Le peuple n'acceptera jamais un budget de désespoir, un budget de la honte qui va développer la pauvreté, qui va accroître le chômage et qui va combattre la gratuité de l'éducation. Donc, 7 milliards égale malheur du peuple congolais. Le premier ministre a l'obligation de corriger avant de déposer à l'Assemblée nationale. Et pour terminer, je prends une petite comparaison. Rapidement, oui. Je prends le Rwanda. Le Rwanda n'a que 12 millions de populations, dont vous avez 16% des Tutsis et 84% des Hutus. 12 millions de la population, avec un budget de 2,7 milliards, soit 3 milliards pour 12 millions.
Quand je prends l'Angola, dans une étude comparée, pour montrer le caractère humiliant et injurié du budget du Congo, je prends l'Angola, en théorie comparée, l'Angola a 25 millions d'habitants. Pour un budget qui est passé de 31 milliards à 35 milliards. 35, 36 milliards. Ça, c'est l'Angola. Et nous avons la même richesse que l'Angola. Donc, vous allez comprendre qu'un pays qui a 95 millions de populations qui présente un budget de la honte, qui injure les peuples congolais, où vous n'allez rien faire avec 7 milliards. Vu dans cet angle-là, porteur d'attente de revendications des citoyens congolais, je le devoir de vérité et vous transmettre l'opinion, la volonté du peuple congolais. Ce que le Premier ministre doit introduire le facteur correctif pour, bien entendu, avoir un budget supérieur à 10 milliards. Pichu Mulumba. Monsieur Frandjongo, je sens votre déception. Comme pour dire que vous tirez déjà une conclusion qui est simple, c'est que les projets de budget qui sera présenté augurent un échec évident du quinquennat de l'actuel chef de l'État. Mais il y a ceux qui estiment, vous semblez même opposé à vous entendre, le gouvernement au président de la République. Mais il y a ceux qui estiment que ce budget ne pourra refléter que la léthargie de la lutte contre la corruption, de la lutte contre les antivaleurs. Est-ce là, ce n'est pas la responsabilité directe d'abord du président de la République qui doit donner le ton dès lors que vous semblez l'opposé au gouvernement? Écoutez, Pichu Mulumba, laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas dans des querelles politiques ici. La matière est entièrement technique. C'est un parlementaire, depuis 2003, qui vous explique. J'ai toujours analysé le budget, c'est avec toute objectivité. Il n'y a pas de politisation là-bas. J'aurais souhaité que pour cette question du budget, que les questions soient essentiellement techniques, tout en gardant la liberté aux journalistes de poser des questions. Laissez-moi vous dire que Pichu Mulumba, lorsque un président arrive en fonction, un nouveau président, il doit avoir de l'ambition. Il a critiqué, il a combattu l'ancien régime. Il devient président. Un, il faut que le budget du gouvernement réponde aux attentes de la population. Deux, il faut que le budget du gouvernement tienne compte de ses promesses. Comment on peut avoir un budget qui ne tient pas compte des promesses électorales du président de la République, qui ne tient pas compte des attentes de la population, qui ne tient même pas compte du programme présenté au Parlement? Alors ici, qu'est-ce qu'il faudra faire? S'ils ne savent pas comment avoir de l'argent, ou si c'est la mauvaise foi, je vous ai dit qu'il faut faire un saut budgétaire. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en fait? Premier élément d'information, deux solutions en fait. Première proposition. Le Premier ministre aurait dû faire, dans les sommes budgétaires, bien entendu, un contrat de performance avec les provinces et les entreprises, notamment les régies financières. Je vous ai dit qu'il y a sous-évaluation, sous-estimation des recettes. En termes clairs, monsieur l'administration, monsieur le ministre, produisez-moi un budget de 20 milliards, par exemple. On produit un budget ambitieux de 20 milliards. Et on augmente les assignations parce qu'il y a sous-évaluation. Quand vous parlez comme cela, prenons le cas du professeur Luzolo Bambi qui a dit que le Congo paie 15 milliards chaque année. De deux, quand vous entrez dans les sites de OCDE, le Congo paie 45 milliards chaque année. La lutte contre la corruption, fraude fiscale, évasion fiscale, fraude douanière, l'impunité, tous ces facteurs, vous ne pouvez pas trouver de l'argent. Et un nouveau président issu de l'opposition aura un budget inférieur à Matata Ponyo qui a 8 milliards. Non, monsieur. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Je prends maintenant deuxième élément de solution. La dette. Le régime de M. Kabila avait contracté 6 milliards de dettes avec les contrats chinois, dont nous allons payer jusqu'à 2080, si vous ne savez pas. Les 6 milliards de Chinois en termes de troncs, nous, le Congo payera jusqu'à 2080. Et personne ne s'est évalué. Hein? Ne s'est évalué. Donc la Chine privée va prendre les minerais, ils vont transporter eux-mêmes, ils vont vous dire, nous n'avons plus les minerais d'autant, vous n'avez aucun moyen de contrôle.
Et si les minéraux s'épuisent, on n'a pas terminé la dette, ils vont prendre les arbres. Si on termine les arbres, ils vont prendre les eaux. Et on termine les eaux, ils vont prendre les forêts. Personne ne sera évalué. C'est 6 milliards déjà. Vous allez payer jusqu'à 2080. Donc, je reviens. Il est vrai que cette dette-là n'est pas comptabilisée comme une dette financière parce que c'est trop. Alors, dans la vraie dette, en termes de dette, nous avons, le Congo n'est considéré comme un pays non endetté. Nous avons 11% de notre PIB, alors que la moyenne en Afrique est de 38%. Et dans le monde tolère, les institutions financières tolèrent jusqu'à 67%. Donc, nous sommes comme un pays pitchou qui n'a pas de dette. Donc, l'enjeu, en fait, du Premier ministre devait être l'endettement aussi. Ça, c'est la deuxième source de trouver de l'argent. Devait être l'endettement. Comment on a laissé le gouvernement de M. Kabila avoir 6 milliards de dettes par des trocs avec les contrats chinois? Mais on ne peut pas réfléchir dans l'enjeu principal qui est l'endettement. L'endettement maintenant parce que nous sommes un pays dont la dette est soutenable. La dette est soutenable. Comment avec tous ces grands projets, on n'envisage pas de s'endetter pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté, notamment la guerre, les problèmes de l'eau, du courant, des prix d'achat, des chômages, d'industrialisation, d'électrification. Pour terminer donc, le fait de n'avoir pas augmenté les assignations, de n'avoir pas fait les contrats de performance, le fait de ne pas prendre l'enjeu de la dette, alors que notre dette est soutenable, relève de la mauvaise foi ou de la volonté d'ignorer les besoins de la population congolaise. Donc c'est un pays contre le peuple d'abord. Élisée Odia. Est-ce que vous ne pensez pas que le président de la République, avec lui son gouvernement, sont victimes de la réelle politique? C'est le réalisme politique, M. Diongo. Quand on est dans l'opposition, on peut promettre monts et merveilles, mais quand on est dans la gestion de la Respublica, comme l'a eu à le dire le président de la République, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il est victime de ça, vous pensez? Non, je ne partage pas. Élisée Odia, j'ai toujours salué la lucidité, la pertinence de tes questions, dont j'ai salué cette question-là. Mais c'est une approche tronquée, en fait. C'est une erreur de perception de ta part. Parce qu'en fait, je vous ai dit que la réalité politique commande à ce que les trois derniers exercices soient les éléments de référence pour l'élaboration d'un budget prochain. On applique ces principes économiques si et seulement si, Élisée Odia, on est dans la continuité, on est dans la même politique, on est dans les mêmes contextes. Ici, on a un nouveau président qui a combattu l'ancien régime, qui a fait la rupture. Et qui est encore ici avec cet ancien... Qui a une vision du peuple d'abord. Il a bâti campagne pour le peuple d'abord. Qui a un programme comme président de la République. Donc là, il a un saut budget. La solution, Élisée Odia, ce n'est pas se référer aux anciens budgets comme les trois derniers exercices, comme référence. Même dans cette hypothèse-là, tu ne peux pas être un opposant devenu président et avoir un budget inférieur à ce dont tu as combattu. Parce que Matata a atteint 8 milliards. La capacité de mobilisation de Matata n'a pas atteint 40%. Hein? Non, nous sommes ici... On peut avoir un budget de 8 milliards, de 10 milliards, mais après... Voilà, tu me donnes raison. On ne peut même pas imaginer dans les prévisions, avoir même 20 milliards, 10 milliards. Mais c'est ça, même dans les prévisions, on ne peut pas avoir 8 milliards. Comment on sait que le gouvernement Ilunga, donc, ne combattra pas la corruption, ne va pas boucher l'impunité, l'évasion fiscale, fraude douanière, ils ne combattront pas, non? C'est comme on dit le taux d'exécution. On n'a jamais atteint le 100%. On peut avoir un budget de 20 milliards, mais lorsqu'on va nous présenter la reddition de compte, c'est 4,4 milliards et quelques. Voilà, Laurette Mandala. Exactement, vous devez me donner raison. C'est-à-dire, en termes de rêve, Élisée Odia, il a fallu ne fût-ce que présenter aux Congolais un budget ambitieux. Vendre un peu de l'illusion aux Congolais. Non, d'abord, vendre un budget. Non, ce n'est pas vendre de l'illusion. Est-ce qu'on peut échouer? On peut échouer dans les rêves. On commence par présenter le rêve. C'est une promesse électorale. Et la promesse électorale du président, c'est combien? C'est 8,6 milliards, pratiquement 9 milliards. Donc, on est incapable de maintenir la promesse du président dans le budget. Est-ce que c'est vraiment pensable? Je ne vois pas le président de la République qui va tenir sa promesse électorale, accepter
et que les peuples congolais peuvent accepter que le président de la République, la première promesse budgétaire ne soit pas appliquée. Et je pense que le premier ministre, parce qu'ils sont encore dans le délai, ils peuvent revoir leur copie, introduire les facteurs correctifs et présenter un budget que les peuples congolais accepteront. 7 milliards, les Congolais n'accepteront pas. Ils vont Serge les rejeter. Réma, oui, à vous entendre parler, c'est comme si vous prêchiez la parole de désespoir aux Congolais. C'est comme s'il n'y aura pas de changement. En même temps, vous dites que le gouvernement est en train de travailler contre l'action du chef de l'État. Mais en même temps, vous êtes député national. Vous êtes censé savoir qu'au niveau du Parlement, vous êtes en mesure de ramener, d'améliorer cette loi des finances. Vous savez, d'abord, je ne suis pas député en fonction. Il est vrai que j'ai une expérience parlementaire. Vous étiez député national, vous êtes honoraire à vie. Ce n'est pas un problème. Honorable, en fait, hein, c'est ça. Merci beaucoup. En fait, le premier qu'il faudra noter, Gino, c'est que au niveau parlementaire, je vous ai dit que le budget, c'est le regroupement de tous ces éléments qui constituent le recette qui dépend de l'État à travers un document qui doit être voté au Parlement, et ça devient la loi financière, ou la loi des finances. Alors, cette loi-là, le Parlement, dans ses prérogatives, peut amender n'importe quelle loi. Mais ici, quel est le problème? Le problème, c'est des coupes budgétaires qu'il faut procéder à l'intérieur du budget. Mais ici, quel est le problème que nous avons? Le plus grand problème, c'est que dès lors que c'est 7 milliards, par la forme, il faut le rejeter. Parce que c'est contraire et au programme et à la vision du président de la République. Au lieu que ça soit rejeté par le peuple congolais et le Parlement, il faudrait que le premier ministre introduise les facteurs correctifs avant de déposer. Parce qu'aujourd'hui, les possibilités que le gouvernement a sont claires. Je vous ai donné ces mesures-là. Ce n'est pas le Parlement qui va prendre les mesures pendant des contrats de performance pour augmenter les assignations. Il ne faut pas augmenter les assignations sans contrat de performance entre les entreprises, les provinces et les premiers ministres ou les gouvernements. Ça, c'est une responsabilité gouvernementale. Donc, il y a de préalables pour augmenter l'enveloppe budgétaire, mais les coupes, si on regarde par exemple, c'est 20 milliards, les députés peuvent faire des coupes à l'intérieur. Mais pour augmenter l'enveloppe budgétaire, ça pose un problème d'engagement du gouvernement par rapport aux sociétés, aux entreprises, aux provinces qui vont mobiliser de recettes. On va prendre une dernière question sur le budget, plus Romain Roland. Oui, M. Franck, puisque vous parlez beaucoup plus de la promesse faite par le chef de l'État, mais je voulais un peu compléter ma consoeur Odia. Quand elle parle du réalisme, j'ai l'impression que vous êtes encore dans le rêve, mais le réalisme fait en ce que notre économie est extravertie. Il n'y a pas de production. Elle est limitée jusqu'à la pression fiscale dont vous parlez. Mais mobiliser 10 à 12 milliards, quels sont ces préalables-là, justement, que vous avez évoqués? Jusqu'à 20 milliards. Hein. Jusqu'à 20 milliards. Quels sont ces préalables-là, justement, que vous avez? Moi, je vais vous rappeler, je vais vous faire rire. Laurette Mandat est témoin. Quand il était encore dans une autre télévision, j'ai dit à Laurette Mandat que Franck Diongo, et d'ailleurs même Élisée Oudjassé, c'est 50 milliards par an, donc 350 milliards. Ou 250 milliards à 5 ans. Je vous montrerai comment trouver les recettes. Pour Franck Diongo, c'est 50 milliards par an. Alors, quand je reviens au premier de Président de la République, de 8,6 milliards, vous pensez que l'Angola, qui a 35 milliards de budget pour 25 millions, ce sont des extraterrestres? Parce qu'en fait, un gouvernement, Pitou Mulumba, doit faire preuve d'innovation et de créativité. Un père ne peut pas se plaindre à la maison, je ne sais pas nourrir mes enfants. Il est de la responsabilité de papa et de la maman, comment acheter les habits pour les enfants, comment les scolariser, comment ils doivent manger. L'enfant n'a pas à savoir, papa Zomongwa, il aura l'argent. Mais l'Angola donc produit, ici, l'Angola ici, produit, nous ici, on ne produit moi pas. Moi je t'ai dit, je reviens parce que tu ne m'as pas suivi. Le PIB de la République démocratique du Congo, les produits intérieurs bruts, tout l'argent que le Congo produit par an, c'est 57 milliards. Ça, c'est les données chiffrées. Au ministère du Budget, au ministère des Finances, ce n'est pas Franck Diongo. La pression fiscale des 18%,
quand vous prenez, l'État doit prendre de ces 57 milliards, 18%, c'est 10 milliards. C'est supérieur à ce qu'on a prévu. Ça, ce sont les données qui sont là. Les problèmes de mobilisation de recettes, ça, c'est, il n'y a même pas encore les contrats de performance. Ça, c'est ce qu'il y a. C'est combattre l'impunité, c'est combattre la corruption, les recettes dont tu as besoin. Combattre la corruption, combattre l'impunité. Parce que Frank Diongo demande et enseigne la gouvernance intègre. Pour observer les règles de bonne gouvernance, il faut que la personne qui gère soit intègre. Donc on doit gérer les biens publics comme les biens sacrés, comme au Japon. Donc c'est cette manière-là que je vous ai dit, comment le gouvernement Ilunga ne peut pas voir comment bloquer, boucher les trous où les 15 milliards s'envolent. Comment on ne peut pas boucher les 45 milliards que l'OCDE dit qu'on perd? Donc ça veut dire qu'on va continuer avec la politique de la sous-évaluation, de sous-estimation de recettes. Ici, même s'il fallait augmenter la pression fiscale, tu sais qu'il y a des pays dont la pression fiscale est de 30%, 40% du PIB. C'est-à-dire, si vous augmentez seulement la pression fiscale de 18% à 30%, vous aurez 20 milliards. Donc, le problème ici, c'est de la volonté du gouvernement de vouloir amener la réponse au problème auquel le pays est confronté. Donc, le gouvernement doit revoir ce budget. Non, ne peut pas déposer un budget de 7 milliards. Il ne doit pas être déposé à l'Assemblée nationale. Doit corriger. Voilà. OK. Mais vous avez également suivi... C'est un projet de la honte, un projet anti-peuple d'abord, et un projet qui n'est pas, qui ne cadre pas avec... Bien entendu, les programmes du Premier ministre qui est défendu au Parlement, ça ne cadrait pas avec les promesses du président de la République, ça ne cadrait pas avec les promesses électorales, ça ne cadrait même pas aux attentes du peuple congolais. Mais le président de la République lui-même dit qu'il y a des réalités. Et aujourd'hui qu'il est devenu chef de l'État, il a compris qu'il y a beaucoup de réalités, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le budget a été voté à l'absence du président. Il faut vous rappeler. Ce n'est pas encore voté. A c'est été juste, voté c'est au Conseil juste, des ministres. Conseil un des instant, ministres. Je ne parle pas du Parlement. Okay. Ça a été décidé au Conseil des ministres. Mais est-ce que c'est le chef de l'État qui décide en dernier lieu ou c'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement? Et puis, il ne faut pas oublier que même s'il y a changement de régime, mais les gens qui travaillent aujourd'hui avec le chef de l'État, ils ont travaillé dans le régime précédent. Madame, j'ai l'impression que nous ne nous comprenons pas. Nous le vous comprenons, premier, monsieur le Premier ministre est responsable de l'action gouvernementale au Parlement. Le président de la République est irresponsable politiquement. Il ne répond devant personne à l'Assemblée ni au Sénat. Il ne répond pas. Et je vous parle comme co-rédacteur de l'actuelle Constitution. Ce qu'il faudra noter ici, ce que le peuple congolais demande au Premier ministre, d'introduire les facteurs correctifs pour rehausser le budget, que ce soit un fisc proche des attentes du peuple congolais et qui tienne compte de la promesse électorale du président de la République. Et si cela n'est pas fait, vous ne croyez pas au Parlement comme dernier rempart? Vous avez été parlementaire comme dernier rempart pour redonner de l'espoir, l'espoir que vous n'avez pas. J'ai répondu à cette question. Le Parlement peut procéder à des coupes budgétaires à l'intérieur, mais augmenter l'enveloppe, il y a un problème d'implication gouvernementale parce qu'il y a des engagements que le gouvernement doit prendre avec les entreprises, tous les services qui mobilisent leurs recettes. Voilà, et aussi parce dans que le Parlement ne mobilise pas leurs recettes. Le Parlement peut procéder à des coupes à l'intérieur pour équilibrer. Par exemple, on a donné 10% à l'enseignement, nous enlevons 2% de l'enseignement, on ajoute à la construction des hôpitaux les 2% en équilibre. C'est ça. Et dans l'actualité, il y a aussi le grand oral du président Félix-Antoine Tshisekedi. À l'Assemblée générale des Nations Unies. Frank Diongo, quels sont les points importants que vous avez retenus? Bon, de toute façon, le discours du président a été... en fait, d'abord, le président est resté... C'est un grand discours comme un panafricaniste. Il a été le défenseur de l'Afrique. Il a senti un président qui défend le panafricanisme, les valeurs africaines, l'intérêt de l'Afrique. On a senti un président qui prêche la réforme des Nations Unies. On a senti un président qui n'était pas commandeur, qui a démontré les rôles que le Congo doit jouer à cause de ses richesses, à cause de la conservation et de l'humanité à travers sa forêt pour la conservation du climat. Le combat contre le réchauffement climatique, il a bien vendu le pays. C'est très bien une bonne image du Congo. Et le président a été dans la logique de
dans la logique de... Dans son principe, hein, il a un principe de modération et de conciliation. Ce qui a fait que, par rapport au président de l'opposition dont il est venu, il n'a pas démontré qu'il a une démarcation entre son pouvoir et l'ancien régime qu'il a remplacé. Et c'est une bonne chose pour vous. C'est un élément négatif. Ça, c'est le point négatif du discours du président. De n'avoir pas démontré la démarcation entre... Son régime n'est pas le régime de M. Kabila. C'est deux régimes différents. Il cohabite avec Kabila. C'est un régime différent. Il se complète. Il y a une coalition. C'est ce que je te dis. Vous avez demandé mon point de vue. J'ai dit que le président a réussi son oral même à 80%. Le 20% de négatif, y compris l'absence de démarcation entre son régime et le régime de M. Kabila. C'est clair. Nous pouvons nourrir 2 milliards de personnes. Franck Diongo, vous avez aimé cette phrase? Oui, mais ce sont des éléments positifs. C'est pour démontrer qu'avec les 80 millions, je crois que de... par rapport à l'étendue De terres arables. Oui, de terres arables. Tu comprends? Oui. Nous pouvons nourrir des milliards. C'est ça que j'ai dit, il a vendu le Congo. Il a démontré de quoi le Congo est capable. Il a démontré l'immensité de richesse du pays et que le monde doit respecter le Congo. Le président a reçu son oral. Voilà. En fait, s'il faut faire les rapports d'impact, le président de la République a eu beaucoup plus d'impact positif que négatif dans son discours. Dans son discours. Élisée Audia, vas-y. Un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, donc il a réussi à vendre une illusion quand il dit 2 milliards, alors qu'on sait qu'ici, on a quasiment la population est pauvre. C'est ce que vous attendiez de lui, peut-être par rapport au budget, qu'il puisse vendre ce rêve, vendre cette illusion de ce Congo qui peut tout alors et qui n'est rien. Okay. Non. Le président n'a pas vendu l'illusion. Élisée Audia. Il n'a pas été pragmatique. Il dirige le pays le plus pauvre. Non. Tu sais, Élisée Audia, il y a ce qu'on appelle la potentialité. Quand tu prends notre potentialité hydroélectrique, Congo peut alimenter l'électricité d'origine hydroélectrique de l'Afrique. Quand tu prends les barrages Inga 3, donc les projets d'Inga 3, l'Afrique du Sud... L'Afrique du Sel achètera 5000 mégawatts. On ne se nourrit pas des potentialités. Encore faudrait-il le transformer. Le président a démontré que nous avons des grandes potentialités, que l'humanité tienne compte de nous, parce que nous pouvons vous nourrir, on peut vous alimenter en électricité, et nous pouvons également sauver l'humanité à cause de notre forêt. Ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité, c'est du pragmatisme. Il n'a pas été commandeur, il a démontré « je suis riche chez moi, tenez compte de moi si vous voulez exister ». Je suis riche chez moi avec une population pauvre, ok, on le conseille. Non, le Congo reste, c'est ça le contraste qu'on enregistre ce budget. Le Congo reste un pays riche, capable en potentialité, avec un peuple pauvre, voilà. En pratique. C'est là où il y a l'illusion voilà quand même. Pourquoi. Non, ce n'est pas l'illusion. C'est ça qu'il faut résoudre l'équation. Pays pauvre, pas de pays riche, avec un peuple pauvre, il faut un budget qui tient compte de combattre cette pauvreté. Est-ce que tu sais que le taux de pauvreté, Élisée Audia, en République démocratique du Congo, le rate mandat est de 73%. Et la Chine, Pichu Mulumba, à 70 ans, a réduit la pauvreté de 98%. Et la Chine a donné un défi cette année au monde entier que d'ici 2020, il n'y aura pas un seul Chinois qui va vivre en dessous des 2 dollars par jour. Donc, il n'y aura plus de pauvres en Chine. Ils ont quelle population? 1,450 milliards. Mais nous sommes incapables de combattre la pauvreté de 100 millions. Nous sommes encore à 95 millions. Voilà pourquoi Franck Diongo pense que nous avons besoin, Laurette Mandala, d'un gouvernement qui a la capacité de créativité et d'innovation, capable, Pichu Mulumba, de donner à la République un budget qui tiendra compte des difficultés auxquelles le pays est confronté, qui tiendra compte des ententes du peuple congolais. C'est cela, en fait, le réalisme. Le réalisme, c'est le saut budgétaire. Le réalisme, c'est le saut budgétaire. Le réalisme, c'est la créativité. Le réalisme, c'est sortir du sentier bâti. Vous ne croyez pas au gouvernement Ilunkamba? C'est aussi présenter les chiffres, c'est vrai, les réalismes. Mais est-ce que le chiffre que je vous prends, quels sont les chiffres que je mets en défi tous les chercheurs de tous les chiffres que j'ai avancés ici? Devenir mes contraignants. Vous avez l'impression que ce gouvernement ne nous aidera pas à lutter contre la pauvreté? Non, mais alors,
Tu sais, quand je vous donne un exemple, quand le Rwanda prend 3 milliards, dont 2,7 milliards, pour 12 millions, tu sais combien d'emplois vont créer ? 213 000 emplois. Ça, c'est le cas qu'on crée. Je peux continuer à vous dire tous les pays que j'ai étudiés, parce que j'ai étudié 10 pays en Afrique. Le Rwanda, avec 3 milliards, si tu réduis la population congolaise, tu fais la proportionnalité de 95 milliards avec 95 millions de populations, avec 7 milliards, et que tu prends la proportionnalité de 3 milliards pour 12 millions. Tu comprends le Congo? Si tu réduis les 12 millions, par rapport au, si on était 12 millions, si tu fais la proportionnalité, ça est une honte pour le pays. C'est vraiment une honte. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays où un pays très riche, avec un budget de 7 milliards, il y a un nouveau président. Non. Monsieur Franck, c'est inadmissible, inacceptable. C'est même regrettable, c'est même humiliant, c'est une honte pour le pays. Monsieur Franck, j'insiste pour dire que vous êtes encore dans le rêve. Vous venez de l'affirmer, la Chine, en 70 ans, a combattu de 95%. Et la Chine, 98%. 98%. Okay. La Chine a travaillé. N'est-ce pas? Mais ici, vous avez parlé des potentialités. N'est richesse que si seulement est mise en vente. Jusque-là, ce n'est que potentialité. Le pays n'est pas industrialisé. Pour preuve, le chef de l'État l'a dit. Il a tendu la main pour venir travailler. Mais est-ce qu'avec ce budget qui peut être progressif, nous avons commencé avec 7 milliards, est-ce que l'année prochaine, on ne peut pas atteindre le 10 milliards pour combler justement les 86 milliards dont le chef de l'État parlait? J'ai l'impression que vous les jugez un peu beaucoup plus vite. On reste dans le grand oral. Hein? Bon, je crois que vous faites beaucoup d'efforts pour ne pas comprendre. Non, on comprend justement, c'est pourquoi vous nous posons beaucoup d'efforts. Nous comprenons, mais nous vous comprenons. Un instant, je comprends que vous faites beaucoup d'efforts pour ne pas comprendre. Mais je vais répéter de manière sommaire. Le 7 milliards, tel que présenté par le Premier ministre, ne tient même pas compte de réalité des données qui sont là. Je vous répète que le PIB, ce n'est pas Fang Jong qui a inventé, c'est 57 milliards. Les 18% des PIB, c'est 10 milliards. Pourquoi n'ont-ils pas pris 10 milliards? Là, on ne demande aucun effort. Ok, on peut prendre 10 milliards. Ok, non, on ne prend pas parce qu'il n'y a pas de 10 milliards. Ils n'ont pas estimé, non. Non. Le débat, c'est 7 milliards. Je m'excuse. Le débat, c'est sur les 7 milliards. Tout à fait. S'ils avaient commencé avec les 10 milliards, c'est autre chose. Le débat ici, c'est le rejet des 7 milliards. Le débat, si on commence avec 10 milliards, c'est par rapport aux données qui est là. Mais M. Franck Diongo, le chef de l'État a trouvé tout un système. Comment voulez-vous que vous avez parlé avec le chef de l'État, il a accepté. Non, je n'ai pas dit qu'il a accepté. Mais soyons réalistes. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous savons les réalités. Sous-payés, mal payés, impayés. Nous connaissons les réalités dans ces pays. Pourquoi vous ne voulez pas que les enfants étudient gratuitement? Pourquoi vous, Gino, vous combattez que les enfants n'étudient pas gratuitement? Nous, on ne combat pas. Parce qu'en défendant les 7 milliards, vous êtes contre la gratuité. Moi, je ne suis pas contre la gratuité. Non. Je veux la gratuité. Parce qu'il n'y aura pas l'argent pour la gratuité de l'éducation. Il y en aura si on mobilisait les recettes comme il le faut. Est-ce que vous savez comment se passent les dépenses? Moi, je veux seulement que vous... Monsieur Franck Diongo, je veux seulement que vous soyez réaliste comme nous autres, d'accepter qu'aujourd'hui, le chef de l'État a trouvé un système qui existait déjà. Ce n'était pas la fin de tout. On n'a pas dit que quand un régime vient remplacer l'autre et l'autre là disparaît d'un coup comme ça avec une baguette magique. Donc il y a le processus à suivre. C'est comme ça que nous voulons vous ramener quand même à cette réalité-là. Que non, il y aura un changement, bien sûr. Le chef de l'État a promis la gratuité de l'enseignement, oui, mais c'est tout un processus. Nous allons avancer, nous quitterons de 7 milliards à 10 milliards. Oui, peut-être l'année prochaine, on aura 10 milliards. De 10 milliards à peut-être 15 milliards. En 2021, on va parler de 15 milliards. De 20 milliards, pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas donner la chance au gouvernement? Il nous donne du fait que les taux d'exécution, on peut avoir 10 milliards, 15 milliards, mais on n'atteint jamais les 100%. Le 100%, on n'atteint jamais. Nous l'avons dit. On se limite à 60, également. À 70. Donc peut-être dans le rêve, à vous entendre, on peut dire, bon... ce que moi je veux travailler, le moyen de ma politique, c'est 7 milliards. Mais je vends la promesse électorale à 15 milliards, et là on pourrait comprendre que ce vide-là peut se combler d'une manière frauduleuse. Avançons, Franck Diongo. J'espère que je ne suis pas en face d'une inconscience nationale. Parce que. C'est pas un compliment, M. Diongo.
J'espère que je ne suis pas en face d'une inconscience nationale. Parce qu'en fait... Ça frise même là, ça nous dérange un peu. Notre petite intelligence. Je retire alors. Merci. Merci. Alors, parce qu'en fait, tous les éléments techniques que j'ai démontrés, et vous fermez les oreilles pour défendre les consciences, c'est-à-dire pour vous, le fait qu'on ait un budget, le président de la République dit qu'il va donner un budget de 9 milliards, parce que 8,6, c'est 9 milliards, et dans les prévisions, on met 7 milliards, vous pensez que c'est réaliste, c'est réel, c'est vrai, et qu'en premier discours des Congolais, monsieur le président, vous nous avez menti. Donc, au niveau de rêve, on ne peut pas même maintenir les 9 milliards. Et vous pensez, vous, qu'il faut défendre le gouvernement, il faut défendre le premier ministre, parce qu'on vous dit que ça ne correspond même pas aux attentes. Le monsieur a mis 15 axes. Quand je prends l'axe de l'électrification, le premier ministre, je prends axe électrification. Le peuple congolais, Élisée Odia, il n'y a que 9% des décès en électricité. Ça veut dire que 91% des Congolais n'ont pas vu l'ampoule. Le taux de desserte en eau, c'est 22%. C'est-à-dire, 78% des Congolais n'ont pas accès à l'eau potable. Combien de projets de desserte en électricité, en eau potable, vont coûter combien avec les 7 milliards? Déjà, tu as enlevé la gratuité de l'éducation que Gino n'aime pas. Que Gino n'aime pas la gratuité de l'éducation. Alors que vous enlevez déjà les 3 milliards de la gratuité de l'éducation que Gino combat. Je ne suis pas en train de combattre la gratuité alors, de l'enseignement. Dans les 4 milliards, là, vous allez faire quoi? Les salaires de tout le monde, les frais de fonctionnement, les pays est en guerre, la construction des infrastructures, l'électricité. Vous allez faire comment? Mais vous nous avez expliqué ici le budget, c'est quoi? Donc, vous aviez parlé des prévisions. Vous avez compris. Ce sont des prévisions. Vous avez compris. J'ai dit bien des prévisions. Ça, c'est encore vous me donnez raison. Des prévisions. Comment on ne peut même pas faire des prévisions à la hauteur de ce qui pourrait être pragmatique? Déjà, vous sous-évaluez. Je vous ai dit que l'actuel ministre des Finances, parce qu'il y a sous-évaluation, parce qu'en fait, Pichumulumba, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il y a une mauvaise politique budgétaire. Il faut combattre la mauvaise politique budgétaire. Il y a sous-estimation de recettes. Il y a sous-évaluation de recettes. C'est peut-être que je n'ai pas dit, je n'ai pas répété cela. Il faut une politique adéquate, capable de permettre une grande mobilisation de recettes, comme dans d'autres pays. Parce qu'il y a la corruption, l'impunité, évasion fiscale et fraude fiscale. Et si déjà c'est... Le Congo n'est pas le pays où il y a des gens, il n'y a que des incompétents, des inconscients. C'est comme qui dirait rien n'a changé. Qui porte la responsabilité? Non, mais le budget peut encore être changé. Je voudrais que vous puissiez soutenir que le Premier ministre puisse corriger sa copie. Moins de 10 milliards, les Congolais n'accepteront pas. Voilà, on passe à autre chose. Je sais ce que j'ai dit. Nous avons c'est un porteur d'attente et de revendication des citoyens congolais qui vous c'est dit. C'est des menaces à peine voilées. Les Congolais n'accepteront pas. Vous allez mettre les gens dans la rue. Les Congolais n'accepteront pas un budget de moins de 10 milliards. La demande est de 15-20 milliards. Les joueurs de 7 milliards, les Congolais n'accepteront jamais ça. Les jamais. Congolais représentés par les députés nationaux qui vont voter pour cette... Madame, tu sais que Fang Diongo est le député le plus populaire de la ville. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas battu aux élections. Faites attention. Il ne faut pas dire ça. On ne m'a jamais battu aux élections dans cette ville. Alors, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas insulter les calvaires d'un combattant. Non. Vous voulez dire que je ne suis pas un élu. Il ne s'agit pas d'insultes. Alors, faites attention. Il ne s'agit pas d'insultes. Alors, je vous rappelle seulement que le processus non, que va suivre le budget... Il faut pas aller là-bas. Je ne vous insulte pas, M. Franck Diongo. On va évoluer rapidement. On va évoluer rapidement, Franck Diongo. Nous revenons si toujours encore à l'actualité. Le gouvernement, défends le gouvernement. Je ne suis pas membre défends du gouvernement. Le gouvernement. On va évoluer, Franck Diongo, s'il vous plaît. Monsieur Diongo, je ne suis pas du gouvernement. Elle a posé ses questions. Je suis journaliste. Elle a joué son rôle comme journaliste, Franck Diongo. On va évoluer. On va évoluer. L'actualité, c'est que nous avons vu la date du 19 septembre 2016 a été commémorée par votre parti, le MLP. Vous avez bloqué l'avenue de l'enseignement, il y avait une foule énorme, nous avons vu les familles des victimes au siège même du MLP. Et après, nous avons suivi également le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a dit que l'heure était à la réconciliation et à la reconstruction du pays. Qu'est-ce que vous entendez par réconciliation et réconciliation, Franck Diongo? Première chose, je ne suis pas du retour du cabinet ou porte-parole du président de la République. Je suis ni des cages, ni... de FCC. Nous savons. OK, là, vous avez une clarification là-dessus.
Mais s'il faut interpréter comme un politique, comme un chercheur sur la question congolaise, qui analyse la mentalité congolaise, je vois la lumière, il faut poser la question au président de la République pour avoir les contenus de son idée. Mais ce que j'ai à tant comprendre, le président de la République, dans son principe de modération et de conciliation, veut amener les Congolais à une réconciliation. Or, la réconciliation, c'est un processus. C'est le premier élément à noter, c'est un processus. Il n'y a pas de réconciliation sans justice, sans réparation des fautes, sans réparation des préjudices causés. Vous avez dit que le 19 septembre 2019, notre mouvement a commémoré. Et vous avez été là. On a présenté au public comment nous avons fait la marche. Vous avez vu les images. Et là, nous profitons pour remercier Univers Télévision qui a fait le direct, qui a permis de couvrir et que toute la population a vu en direct. Qui n'étaient pas les images montées, ainsi de suite. Et d'autres télévisions qui ont couvert l'événement tel que Congo, et ainsi de suite. Alors, on a montré aux gens les familles des victimes, les images des victimes et ceux qui sont en vie aujourd'hui, des victimes qui sont de blessés, qui sont encore malades jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde a vu. Alors, comment vous allez faire pour vous réconcilier avec de telles familles s'il n'y a pas réparation? Qu'est-ce que vous entendez par réparation? Mais il n'y a pas de réconciliation sans justice. Vous avez déjà constitué un dossier, vous avez déposé, et ça marche. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas réconciliation. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas réconciliation. Devant la justice, parce que c'est ça aussi le problème. Il y a eu des morts, oui. Il y a eu des blessés. Je peux te dire, Franck Diongo, prenons les cas du MLP. MLP, nous avons perdu, nous avons 38 cas de victimes identifiées. Nous avons perdu 12 personnes. Nous avons déposé la plainte au niveau de l'auditorat militaire, de Kinshasa, Gombe. 3 jours après qu'on ait bombardé notre siège, ça n'a jamais connu un début de commencement, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez besoin de la copie de la plainte, acquérir des réceptions, on peut vous donner, ce n'est pas écrit. Élisée Odia, on peut vous donner. Ça n'a jamais commencé. Alors, vous allez vous réconcilier avec de telles familles lorsqu'ils sont des victimes. Donc, le président de la République, je salue la volonté de la réconciliation de la République, mais c'est un processus, on ne peut pas avoir la réconciliation sans réparation des préjudices causés. Quand il dit qu'il ne faut pas qu'on fouine, qu'on continue de fouiner dans le passé ou qu'il n'est pas là pour fouiner dans le passé. Mais il a raison. Un président de la République n'a pas pour mission, je vous parle comme un rédacteur de la Constitution, ce n'est pas dans la mission du président. Il n'a pas interdit aux familles des victimes d'aller en justice. Il n'a pas interdit aux familles des victimes de réclamer, réclamer qu'on rende honneur à ces victimes. En fait, ce n'est pas une mission du président de la République. Ça, c'est clair. Mais le vrai problème, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut poser la question au président pour beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de clarité. Là où il faudra condamner le président, c'est aujourd'hui. Il y a des doléances, il y a des plaintes, et le président dit non, non, allez, table rase, pas de réparation des fautes. Oublions, pas de processus, parce que tu sais, il y a des justices qui ne condamnent pas. Tu as vu au Rwanda? Au Rwanda, il y a ce qu'on appelle les tcha-tcha-tcha. Hein, comment on appelle ça? Les gachachas ou les gachachas. Donc, la justice coutumière qui ne condamne pas, mais qui procède à des réparations. Ça aboutit à la réconciliation. En Afrique du Sud, la commission vérité et réconciliation. Les gens se disent des vérités. Les gens, par exemple, qui ont volé de l'argent. Comment on va se réconcilier avec quelqu'un qui a volé ton salaire pendant 10 ans, il a 40 milliards de dollars à l'étranger et toi, tu es là? Et s'il dit, bon, je rapatrie 20 milliards sur mes 40 milliards que j'ai volés au pays. C'est un acte de responsabilité de conscience de ceux qui ont pillé le pays. Donc, on ne peut pas avoir une réconciliation s'il n'y a pas réparation des fautes commises, s'il n'y a pas le rapatriement des biens volés, s'il n'y a pas réparation des fautes. Donc, il y a un processus de réconciliation, tel que vérité réconciliation, tel que genre de tribunal, comment on appelle ça,
au Rwanda. Donc, on ne décrète pas une réconciliation. Je crois que si vous comprenez le président, il est dans le processus de la réconciliation. Je crois qu'il faut saluer la volonté du président. Ce n'est pas au président de la République d'aller chercher qui sont des victimes. Alors, dis-moi, est-ce que c'est dans la mission du président de la République d'aller chercher les victimes? Alors, Monsieur Franck Diongo, c'est à nous les victimes. D'ailleurs, je vais te dire, excuse-moi. Oui. Vous savez que dans la même commémoration, nous avons déposé trois choses. Première chose, on a demandé au président de la République que la date du 19 septembre soit comme le 4 janvier, fête des martyrs, soit considérée comme férié chômé payé. Encore un jour férié fusionnant les martyrs, cherchant une seule date. Non, ça c'est le martyr de la démocratie. Là, c'est le martyr de l'indépendance. Quand Lumumba est père de l'indépendance, tu serais le père de la démocratie. L'indépendance, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la même chose. Donc, on a besoin d'une date parce qu'à l'Echebeya, Roxy Mukendi et Armand Tungunu, tous nos martyrs là qui sont le 16 février. C'est du 31 décembre aussi. Voilà. L'Église catholique. Voilà. Donc, tout là, toutes ces personnes-là, nous voudrons qu'il y ait que le président Tshisekedi, qui devrait mourir aussi, qui est un combattant devenu président. Parce que quand on a bombardé l'UDPS, lui, il habitait là-bas. Quand on a bombardé lui, le président de la République a quitté 48 terres. Donc, lui, c'est un rescapé du 19 septembre. Donc, nous demandons au président de la République. On diabolise les forces armées pour rien. Le chef de l'État l'a dit. Le président de la République, nous avons demandé à ce que cette journée soit fériée, chômée et payée. Deuxièmement, nous avons demandé à ce qu'on fasse justice aux martyrs. Nous avons également demandé qu'on construise un monument devant le palais du peuple, un monument qui, comme aux États-Unis, où il y a un mémorial de Martin Luther King, Abraham Lincoln, et qu'ici, maintenant, c'est en face du palais du peuple, tous les députés qui partent au Parlement, ils voient ceux qui sont morts pour la démocratie. Également, et ça, c'est le professeur Mbata qui a proposé d'ailleurs qu'il y ait un fonds pour la démocratie où on aidera également les familles des victimes. Et on a demandé aussi que le président de la République puisse recevoir les familles des victimes. Plus rapidement. Oui, M. Franck, vous comprenez un peu par rapport à cette date-là de 19 septembre. Voilà. Oui, je vous entends parler beaucoup plus de la commémoration de toutes ces victimes. Vous demandez des dates, mais il y en a plusieurs quand même. C'est paradoxal. Entre-temps, le pays doit décoller, on doit travailler pour que ces pays soient sur l'orbite, mais entre-temps, vous demandez encore qu'il y ait des dates de commémoration. Il y en a quand même de trop. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous pensez que c'est plus difficile, les gens qui sont morts, pour que vous ayez la liberté? Qu'est-ce qu'il faut demain faire la guerre? La guerre coûte $1 million chaque jour. Vous avez besoin que les gens qui sont pacifistes, qui se battent pour la démocratie, vous avez besoin que Frank Diongo, qui est aujourd'hui après Tshisekedi, le plus vieux opposant, de tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Donc, vous avez besoin de voir Frank Diongo demain prendre la rébellion? C'est ce que vous avez besoin. Laissez les pacifistes aller dans la voie démocratique, mes amis. Quand on vous dit honorer ceux qui sont morts pour la démocratie, la guerre coûte plus cher que tout ce qui est démocratique. Dans cette optique-là de réconciliation, de réparation, on peut déjà parler aussi de la levée des sanctions de certains. Le président plaide pour cela. C'est quand même une bonne chose dans cette optique de réconciliation. Non, là, on ne peut pas demander la levée des sanctions de ceux qui sont auteurs des atrocités avant la réconciliation. On ne peut pas. Parce qu'en fait, l'Union européenne, l'Union européenne, les Nations unies, l'Union européenne et tous les défenseurs des droits de l'homme, tous ces États-là, avaient soutenu c'est un moyen de soutenir le peuple congolais victime des atrocités de la dictature de M. Kabila. C'est comme ça que les acteurs principaux de M. Kabila, violation des droits de l'homme, et toutes les questions liées au blocage des postes électoraux, on a pensé que pour sauver le peuple congolais, il faut sanctionner les acteurs. Mais il n'y a plus de blocage. Alors, il y a eu les victimes des violations des droits de l'homme. C'est ce que je dis. Je soutiens l'approche de la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. On ne décrète pas une réconciliation. Une réconciliation, c'est un processus qui construit la confiance et l'amour. Donc, en termes clairs, il n'y a pas de cohésion, Élisée Odia, sans cohérence. Pour qu'il y ait cohérence, il faut la réconciliation. La réconciliation, c'est le ciment d'une société. Donc, sans réconciliation, il n'y aura jamais de cohérence. Vous pouvez avoir, comme on a parlé du budget ici, n'importe quel meilleur projet économique,
S'il n'y a pas réconciliation, vous aurez échoué. Pas de l'élever des sanctions, pas de l'élever des non, sanctions. Non, on ne peut pas. Mais on se rappelle, le chef de l'État. L'exagération de certains. Je ne suis pas dans l'évaluation. Ce n'est pas, je ne suis pas une institut d'évaluation ici. Je parle aujourd'hui, tel que vous me posez des questions, de la situation bien attendue des victimes. Moi-même, je suis victime. Mon parti est victime. Parce que les gens pensaient que ce sont des délinquants. Je vous ai présenté des mariés, des ingénieurs, des économistes, des pères. Il y a une maman. Quand tu prends la fille, là, la maman, là, elle a laissé 5 enfants. Elle était déjà veuve. Elle-même est décédée. Il y a 5 enfants qui n'ont personne qui les prend en charge. Vous avez vu, Papi Tshiswaka, l'ancien président de l'UDBTP, il s'est marié, une semaine après son mariage, il est mort. Sa femme a été enceinte. Vous allez vous réconcilier avec cette famille, comment sans réparation? Vous allez décréter une réconciliation, vous allez faire ça. Vous avez vu un monsieur qui a laissé 7 enfants. Vous allez décréter une réconciliation cette famille, comment? En sortant de la prison, Franck Diongo, vous avez demandé, vous avez dit ceci, que je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Lorsque vous avez dit « je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal », vous avez pensé aussi à ceux qui ont commis ce genre de crime. Il faut une ligne de démarcation entre ceux qui ont fait du mal à Franck Diongo, individu, et ceux qui ont fait du mal au MLP. Franck Diongo n'est pas le MLP. Ça, ce sont les membres du MLP que le régime Kabila a tué, dont le régime doit réparer. Je n'ai jamais dit que ce qu'on a fait à Franck Diongo, on le répare, comme individu. Mais ce qu'on a fait au parti, ce qu'on a fait contre le peuple congolais, le régime doit réparer. Mais le chef de l'État, lors de son investiture, il a dit « je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ». Et le chef de l'État est le symbole même de la République. N'accepterez-vous pas ce pardon du chef de l'État? Mais c'est ce que je vous dis. Le président de la République a pardonné individuellement, comme homme, pas comme chef d'institution, tous ceux qui lui ont causé lui préjudice. Il était déjà présent en fonction. C'est ce que je vous dis. Mais maintenant, est-ce que nous avons aujourd'hui... Donc, vous voulez me dire que le président de la République devient un dictateur qui décrète d'ignorer les préjudices subis par les Congolais privés? C'est ça que vous voulez me dire? Non, pas tout à fait. Vous voyez un fils Tshisekedi, un enfant de Tshisekedi, devenu président, s'opposer au respect des droits de l'homme? Lui, il est le chantre de l'état de droit, l'état de la démocratie. Donc, vous vous opposez au principe des droits de l'homme, vous, en tant qu'individu. Mais comment? Comment ça? Ok, on évolue. Comment ça? C'est-à-dire qu'il faut défendre les droits de l'homme. Et le président de la République défend les droits de l'homme. Tout à fait. Il veut la réconciliation pour la paix, mais il n'a jamais dit que je décrète la réconciliation, qu'on ignore tous ceux qui sont morts. Qu'on ignore la mort de Tshebeya, on ignore la mort de Roky Mukendi et tous ceux qui ont bombardé, tous ceux qui sont morts là-bas, qu'on ignore, non. Donc, honorable. D'ailleurs, vous avez vu, je vais vous rappeler. Honorable, donc, pour réconcilier, vous demandez une journée, vous voulez qu'il y ait réparation, un monument, donc il faut qu'on mette en place une commission, je ne sais comment on peut l'appeler, pour pouvoir réaliser tout ceci. Non, Gino, c'est-à-dire que je ne décrète pas une procédure. Je donne les idées fortes qui peuvent permettre le pays à avoir une cohésion, à avoir la réconciliation. Vous n'aurez jamais une réconciliation telle qu'Élysée est là, on a tué sa fille, et vous dites non, Élysée, tournez la page, mais dans l'entretemps, il n'a qu'une seule fille. Il n'a plus d'enfant, il ne peut plus mettre au monde. Un exemple. Donc, comment vous allez réconcilier Élysée sans Odia, sans que vous puissiez réparer? Il n'aura jamais une réconciliation sincère. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait une commission pour aussi réparer. C'est ce que j'ai dit. On peut avoir une commission vérité réconciliation. Oui. On peut avoir les tribunaux des gens de Rwanda. Quelque chose qui permet aux gens de se réconcilier. Qui permettra même à ceux qui ont causé préjudice, ceux qui ont pillé le pays, de rapatrier même leurs avoirs. On va chuter. Parce qu'à ce moment-là, il y aura vraiment un nouveau départ pour le pays. Avant que je passe la parole à Pichu Mounouma, Franck Diongo, rapidement, est-ce qu'on peut avoir votre lecture par rapport à la coalition FCC-CACH? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avais déjà donné ma lecture. Je crois que Élisée Odia a été la première personne avec qui j'ai fait le débat. Et j'étais clair. Il n'y en peut pas avoir un mariage entre une dictature et une démocratie. C'est porteur de jambes de CACH, c'est clair. Pichu, le résultat du budget ici, ça vous démontre.
Vous êtes tellement embarrassé parce que d'un côté, vous êtes obligé de soutenir quelqu'un qui vient de l'opposition, qui est obligé de coaliser avec... Où est-ce que vous vous situez? C'est la question fondamentale. Non, non, le problème n'est pas de se situer. Vous savez, moi, je suis en train de démontrer au peuple congolais, Élisée Odia, que le Congo est un pays menacé, dont le progrès est en panne. Et le cœur des préoccupations ne peut pas être nos ambitions. La menace qui pèse contre le pays et contre notre avenir est plus vaste que nos ambitions. Donc, le cœur des préoccupations n'est pas le positionnement individuel, n'est pas l'intérêt personnel, n'est pas la satisfaction des ambitions. Il y a des gens qui disent, bon, Frank Diongo, non, le problème n'est pas l'intérêt personnel. C'est le Congo d'abord. C'est cela. C'est le peuple d'abord. Ce n'est pas Frank Diongo. Qu'est-ce qu'on pourrait me donner, Élisée Odia? Parce que vous tous, vous savez que j'avais comme prophétisé que le 19 décembre, on va soit organiser fausse flagrance, soit on va me tuer. J'étais resté à la maison. Qu'est-ce qu'on peut me faire pour que j'essaie de mourir? Quand on a cassé la prison, 5000 personnes ont fui. Toutes les femmes sont parties. Les mineurs ont fui. J'avais 15 gardes du corps. Qu'est-ce qu'on peut me faire pour que j'ai fui des fouilles? Et on a pardonné à Némoïdan Tsemia, malgré les morts. Comprends. Qu'est-ce qu'on pouvait me payer pour que j'ai fui des fouilles? C'est pour vous dire que le combat ici, Dino, n'est pas d'un positionnement personnel ou d'un intérêt personnel. C'est l'amour du pays. D'ailleurs, ils ont été de rédiger la doctrine de l'intérêt national. Pour voir un homme de la société civile, un opposant, un membre du gouvernement, si son discours, si ses actions ou son action est conforme à l'intérêt national. Les combats, c'est l'intérêt national. C'est pas comme les positionnements. Comme chercheur d'ailleurs politique, vous l'avez dit, vous faites quelle lecture de Martin Fayoulou qui estime que les combats pour la vérité des urnes doivent demeurer et que pour lui, c'est le système Kabila qui perdure. Vous faites quelle lecture? De toute façon, je n'aime pas les débats sur les individus. Vous me connaissez, vous tous, je n'aime pas les débats sur les individus. Parce que je vais donner un point de vue scientifique comme chercheur. Je respecte l'opinion de mon frère avec qui j'ai de bonnes relations. Martin Fayoulou, avec qui j'ai de bonnes relations. Je respecte son opinion. Que je ne partage pas. Parce qu'en fait, vous savez, les combats pour la vérité des urnes n'est pas un projet politique. N'est pas un programme de gouvernement. Ça ne va pas perdurer. Deuxième chose, par rapport à la menace qui pèse sur le Congo est menacé de balkanisation. Le Congo est menacé de changement de constitution. Vous pensez que le combat contre pour la vérité des urnes est plus important que la balkanisation du pays, que le changement de la constitution? Parce que M. Kabila voudrait revenir par qu'il y ait des élections au sein indirect. Il y a un projet déjà de loi pour le changement de la constitution. Vous pensez que ça c'est plus important? Non. Je respecte l'opinion de mon frère, mais je ne partage. Je le lui avais dit directement. Donc il doit tourner la page. Pas qu'il doit tourner la page, même s'il ne tourne pas la page, c'est du passé. Même s'il ne tourne pas la page, c'est du passé. Il ne va rien gagner dans tout ça. Parce qu'en fait, sur le plan sémantique, on ne peut pas réclamer la vérité des urnes et se déclarer élu. Parce que lorsqu'on est élu, on prête serment. Lorsqu'on est élu, on cherche l'impérium. Sur le plan sémantique, il y a une contradiction. Donc vous ne croyez pas à la coalition SSK, je ne croyais pas au combat sur la vérité des urnes. Vous croyez sur quoi? En quoi? Sur le peuple congolais. Je crois beaucoup au peuple congolais. C'est abstrait quand même, c'est subjectif. Je crois beaucoup au combat de la démocratie et du peuple congolais. Je crois beaucoup au combat du changement. Je crois beaucoup au combat. Je suis un combattant de la démocratie quand même. Vous comprenez? C'est un combattant de la démocratie. Tu sais, le monde a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair et d'un parler vérité. Tu sais, papa Tshisekedi m'a dit quelque chose, que cela me repose en paix. Si tu crois que ce que tu dis est vrai et juste, ne tiens pas compte de ce que les gens vont dire. Mais vous avez cru en lui lorsqu'il a réclamé l'impérium, papa Tshisekedi. Mais Martin ne réclame pas l'impérium, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Tu ne peux pas aller en justice et on te condamne et tu reviens pour chercher la vérité des urnes. Non, il devait. S'il dit qu'il a gagné, il a gagné. Il prête serment, il réclame l'impérium. C'est cohérent. Ici, nous sommes pas d'une cohérence. Je n'ai rien contre Martin. Je te dis que ce que j'ai dit, j'ai discuté avec lui. Je n'ai rien contre Martin. C'est un ami, c'est un frère. Mais c'est une réflexion scientifique. C'est une réflexion scientifique. Rien que ça. Le débat est sémantique. On ne peut pas réclamer la vérité des unes quand on est parti en justice. Tshisekedi n'est jamais parti en justice. Jamais aller très loin. Quand nous revenons de l'Afrique du Sud,
On agrée les UDPS, on agrée les UDPS Tshisekedi. Moi, je vais dire à papa Etienne, papa, mais on peut aller en justice, c'est pour... parce que nous sommes sénateurs, les UDPS sont sénateurs de la Cour globale inclusive. Il faut aller en justice, parce qu'il y a primauté sur les partis qui ont signé la Constitution. Parce que l'UDPS a dit la Constitution, dit non, non, je n'irai pas en justice. Il y aura la solution politique, je n'irai pas en justice. Tshisekedi n'est jamais parti en justice pour les comptes de l'UDPS ou bien pour les comptes de son résultat des élections. La cohérence aurait commandé à ce que si mon frère Martin reconnaît qu'il a gagné, alors il prête serment, il réclame l'impérium. Il ne réclame pas l'impérium. Il réclame la vérité des urnes. Mais auprès de qui? C'est quelle juridiction qui réclame la vérité des urnes? Parce qu'on ne peut pas à la fois, on a gagné, on reconnaît les résultats et on cherche encore qu'on programme des résultats. C'est contraste, c'est un contraste. Eh bien voilà, c'est pratiquement la fin de ce deuxième numéro de Acte U, Actualité Univers. Un grand merci à Franck Diongo pour avoir répondu à nos questions. Merci. Et un grand merci également à mes collègues journalistes, à plus Romain Roland, Sergine Reyema, Élisée Odia et Pichou Moulumba. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. En attendant, restez branchés sur Univers Groupe Télévision. Merci.